Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Andorange sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle ça se précise, hein. On voit qu'on a une grande partie des Indes déjà, hein, qu'on s'est un petit peu engouffré, et puis pouf, on a pris un petit peu tout ce qu'on pouvait, hein. Il faut compter qu'on a Mewar aussi, et Madurai. Mewar qu'on est en train de manger, Madurai on va encore attendre un petit moment. On a aussi le Gujarat qui va nous permettre d'attaquer Vijayanagara relativement tranquillement et sans forcément utiliser trop de points de notre côté. Je pense qu'on profitera de cette attaque pour prendre l'état dans lequel se trouve Goa. Moi, j'imagine que c'est intéressant comme état, c'est le Kanara, ça va c'est correct, avec ici et ici. Hein. Donc on prendra ces deux provinces pour nous j'imagine. Et puis on finira... je veux dire ça appartient à qui ça? Ça appartient à Madurai, on peut peut-être donner ça à Madurai. Et puis donner tout ce que Vijayanagara veut à Vijayanagara et tout ce que Gujarat veut à Gujarat et donner encore à Mewar cette province-là. Qui leur appartient de droit. C'est très bien. Alors pour le moment, perdu un CB, d'accord, flotte des Indes. On a des problèmes avec les séparatistes de Bangladesh à Batiana. Ok. Batiana, ici. Ok, on va s'approcher un peu. J'ai pas vu combien ils étaient, combien ils seront. Ouais, ils seront 15 000. Bon, pas forcément besoin de deux stacks, mais vu qu'on est là. On a toujours tellement d'argent. 024, 021, 021. Voilà, l'os. Des états, toujours pas forcément énormément d'intérêt. On verra déjà quand on aura pris ça. Hein. Oups. J'ai pas vu quelle colonie était terminée. C'est un peu embêtant. J'en avais une là. C'est celle-là là. C'est clairement celle-là là. Donc on va peut-être faire celle-là là maintenant. Les aider encore un petit peu. Et puis, est-ce que vous avez votre CB déjà sur ces gars-là? Non. Eh les mecs, faut y aller un peu là. Votre CB sur la Terre Australe, ça a pas de sens cette histoire. Et puis on va revenir un petit peu sur nos colonies, voir ce qu'on peut leur demander de faire. Alors les nouveaux Pays-Bas, hein, toujours un petit peu de velléité. Alors déclencher la guerre contre les 13 colonies. Bon, généralement ça se passe plutôt bien. Juste quand même contrôler, voir où ils en sont. Ils sont à 27 000 troupes. Ouais, bon, allez-y, quoi, j'entends, il n'y a pas tellement de soucis. Nouveaux Pays-Bas, déclencher la guerre coloniale. Hop, 13 colonies, conquête. Si. Colombie hollandaise, vous pouvez déclencher la guerre contre les Indes occidentales. Non, ça j'ai dit non. Louisiane. Mais vous êtes déjà en guerre, les mecs. Cuba, vous pouvez déclencher une guerre coloniale contre Itza ou Itza. Itza reconquête ou Itza conquête. Pour le moment, vous êtes un petit peu dans la misère, il me semble. Donc déjà, sortez de votre misère. On verra après. Nouvelle-Hollande, bon, bah ça, j'ai vu, il n'y a rien. Plata néerlandaise, je pourrais déclencher la guerre, mais ce serait limite. Je pense que vous perdriez. Et la Californie néerlandaise, je pourrais déclencher une guerre, on avait dit contre l'Oregon, mais là aussi c'est très très limite, voire trop limite, pour vous en sortir. La preuve étant que vous avez à peu près 0 troupes, 4 troupes qui sont je ne sais où. Mais enfin, c'est pas très important. Voilà, continuons nous de notre côté ici. Qu'est-ce qu'on gagne au niveau financier? On voit qu'on gagne un peu moins qu'avant quand même. Kilwa a déclaré la guerre à l'Ethiopie, ouais, ça m'étonne pas trop. Et je pourrais déjà prendre la prochaine institution. Donc je pense qu'on va on va déjà calmer un petit peu les choses. Une révolte platino-néerlandaise. Bon, débrouillez-vous, hein, comme d'hab. Je peux prendre une aptitude. Bon, de nouveau, pas tellement d'intérêt. Allez, vas-y, absolutisme. Augmentons notre absolutisme. On en est où? Notre absolutisme. On est à 1. Absolutisme. Ok. Ok. Alors. La Russie est en guerre avec Chagatai et Ming, pas les Ottomans. Ok. Parce que les Ottomans sont les défenseurs, de la foi sunnite, donc théoriquement ils devraient venir. Alors bon, première chose qu'on va faire, déjà on va faire notre revendication ici. Ça au moins c'est relativement clair.
Bon, on va pas forcément revenir à votre Chagatai en fait pour le coup. Ensuite, on va. Je vais dire prendre ça, puis très, vraiment très clairement montrer. On veut ça. Bon, c'est déjà le cas en fait. Là, j'ai noté, à voir, j'ai noté tout ce qui était. Ici d'ailleurs. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais faisons-le. Je vais pas être pessimiste pour vous, Vijayanagar, mais je veux tout ça. Très clairement. Voilà, comme ça c'est clair. Il n'y a pas de question à se poser. Et puis. Du coup, on va dire oui. En espérant juste. C'est nouveau la même chose. Ça va être Russie et moi qui sommes donc deux grandes puissances. VS Ming. Et on est rivaux des Ottomans. Je vais accepter. Je pense que c'est pas une bonne idée de leur part de m'appeler, mais je vais accepter. Et puis, on va voir ça. Très clairement, elle est là. Le reste, je sais pas. Je suis même pas sûr que je puisse passer par Delhi. Non, je peux pas passer par Delhi. J'ai mes forts ici maintenant. Donc, a priori, vis-à-vis de Ming, on est relativement tranquille. Donc, on va quand même aller se mettre dans cette direction-là pour pouvoir les sneaker une fois qu'ils arrivent sur nos forts. Mais sans plus. Et puis, ici, on va aller par là. Et par là. Toi, tu vas rester en soutien ici si jamais. On sait jamais. Et puis ça, c'est clair qu'il me faut cette province-là. Cela dit, si j'ai pas de fort dans la région, je suis pas sûr de pouvoir la prendre. Donc, très quand même intéressant de pouvoir occuper un fort par là. Et maintenant, c'est clair que je vais pas pouvoir demander à Delhi de me laisser passer. Enfin, à moins qu'il soit, je sais pas, par hasard, rivaux de Chagatai. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein, leur rivaux est engugé. Ce qui se défend plus hein, par leur taille. Donc là, on va juste essayer d'éviter de prendre trop d'attrition quand même. Mais on va essayer de rester plutôt par là. La Volta Bogota. 25 000 hommes quand même. Bon, 25 000 paysans. Théoriquement, s'ils attaquent, ils vont les avoir. Mais est-ce qu'ils vont attaquer? Il y a tendance à être assez récalcitrant dans ce genre de situation. On verra bien. Mort du réformateur militaire. Ok. Ah, puis j'avais fait des... J'avais fait un petit peu des rotations dans mon conseil pour voir si je pouvais trouver un plus 3 correct. Oui, un plus 3 de morale terrestre. Nice, voilà. Un plus 3 dans tous les sens. Et on va savater ces rebelles. Nickel. Et pour le moment, pas de signe des Ottomans. Je devrais certainement aller me battre contre Ming ici, parce que le problème, c'est que si la Russie doit faire ça tout seul, ils auront de la peine à gagner. Et si la Russie a de la peine à gagner, du coup, nous, on n'aura pas notre province. Idéalement, il faudrait vraiment pouvoir passer, mais je peux pas. Hein. Je pense pas par la Perse, je vais regarder, mais je pourrais demander que je peux passer par la Perse. Je vais passer par la Perse, allez, boss. Comme ça, on va pouvoir aller se battre à Chagatai. Ouais, d'ailleurs, il n'y a plus vraiment de délit en fait. Alors, attends, du coup, on va pas trop loin. On va aller comme ça plutôt. Idéalement, ce sera un peu le moment d'attaquer la Perse pour nous. Malheureusement, on peut pas, évidemment. On va baisser la vitesse, encore une fois, faire un petit peu gaffe. What? Comment c'est possible ce qui vient de se passer? Ils avaient plus de bateaux que nous. Nettement. Ils avaient... des heavy, genre j'en ai vu 20. Comment on a gagné cette bataille? C'est hallucinant. Ok, alors pour le moment, vous allez vous reposer un petit peu. Et puis... Bon, voilà, après, mais je suis vraiment surpris d'avoir gagné cette bataille, pour être honnête. Comme souvent, je m'occupe pas, ou très peu, ou très mal, de mes vaisseaux, mais en l'occurrence, ça aura suffi. Enfin, ça aura suffi. Ça aura pas été un problème, plutôt. Ça aura suffi que dalle, quoi, j'entends. Je me serais fait savater. Que ça aurait été la même. Donc là, hein, j'ai séparé un petit peu mes unités en deux. Je suis pas un immense fan de ça. J'entends, c'est le truc à se faire avoir. Perdre une guerre contre l'IA, comme ça.
Toi, tu vas me prendre un siège, comme ça on va aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que vous voulez, les Russes, dans cette histoire? Prendre Tortkara. Et vous l'avez déjà. Ce qui est plutôt un bon signe, j'imagine, c'est ça. Non, c'est ça. Tout ça pour une province de niveau 3, sérieusement, les mecs. Je sais que je pourrais aller donner des unités ici, mais j'ai pas envie pour l'instant de me mettre dans une position compromettante. Je pars un peu du principe que dans un cas comme ça, c'est plus simple d'essayer d'obtenir ce qu'on veut du War Leader, sachant que Ming n'est pas le dirigeant. Donc soit l'idéal serait de faire sortir Ming, mais vu qu'on n'est pas les dirigeants de la guerre, on va pas essayer de. Enfin, je sais que les IA ont généralement tendance à faire sortir pour assez cher. Donc l'IA risque d'attendre un bon moment de pouvoir virer Ming presque pour un 100% de score de guerre, ce qui nous intéresse aucunement. Je pense que c'est plus simple d'aller mettre presque 100% à Chagatai, d'occuper complètement Chagatai, et puis de dire tant pis pour Ming. Ok, bon, on va perdre un stack de 36, je pense. Voir ça. Bon, là, il va se faire savater hein, avec ses 27 000, mais il aura probablement pas que 27 000. J'ai rien dit, il a l'air d'avoir que 27 000. Bon, bah, d'accord, il s'est venu suicider 20 000 troupes. Ok. Vraiment bizarre comme situation. Ici, rien de particulier. Continuons notre. Ici, je pense, je suis pas absolument certain, mais je pense qu'on doit pouvoir faire venir de stacks de plus. J'ai quand même des rebelles auxquels il faudrait faire un petit peu gaffe, j'ai des particularistes néerlandais. Ok. Pourquoi? Surexpansion. Mécontentement, ok. Contrôlé par bourgeoisie qui tire la gueule, aussi que c'est pour ça. Donc surexpansion et la bourgeoisie. Donc dès le moment où j'ai plus de surexpansion, ça va plus poser de problème. Actuellement, je peux pas y faire grand-chose. J'espère juste qu'ils pop pas. Ce que je pourrais faire, c'est de la. Ouais, je pourrais les calmer un petit peu. J'ai des marathes, donc à Goa, on va y aller. Je pourrais pas faire grand-chose pour les en empêcher, mais je pourrais les savater sauvagement. Des Panjabis à Lahore, Sialkot et Doab. Donc, ça doit être ici, j'imagine. Ouais. Me laisser un deux stacks ici et puis en fait tu peux aller très bien ici du coup. Puis toi tu vas plutôt aller par là, puis toi là, et toi du coup tu non, les deux là vous pouvez rester là, pas de soucis. Ok, autre rebelle ici, je vais faire de la répression implacable, ça va nous augmenter notre absolutisme en plus, donc allons-y. On a 3 d'absolutisme maintenant, ce qui augmente un tout petit peu notre discipline. Bon, il n'y a pas de général, donc ça peut peut-être nous aider. Je pense que ça va quand même être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Je pense que j'ai un petit peu surestimé mes forces en faisant ça. Ouais, d'accord, 64 000 troupes qui arrivent derrière. En fait, il faut partir. Parce que sinon, c'est le truc. Ah, même si on gagne la bataille, on va se retrouver avec très peu de morale contre les 64K qui vont arriver. Ici, j'aimerais quand même juste essayer de prendre ça.
Max, hein, sérieusement. Non, d'accord, j'ai pas pu. Est-ce que je peux avoir un tick de plus? La réponse c'est absolument pas. Donc on repart d'ici, tant pis. Laissons nos alliés, peut-être qu'ils auront de la chance. Mais moi je vais pas prendre ce risque de perdre un stack pour perdre un stack. J'ai pas vu l'Aragon, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas suivi, tant pis. Ok. On va se regrouper un petit peu, revenir avec plus d'hommes. Non, mais tu peux aller là, mais tu vas enlever ton marche forcée, ça sert à rien, vu que de toute façon c'est eux qui vont se faire attaquer. Le 5-3 ici. J'ai pas vu qu'il y avait des rebelles là. Ok. Et évidemment, il va. Ah ouais, tu pourrais pas aller plus loin. À peu près pas du tout en fait. Ok, donc on va plutôt venir avec un autre stack. Et puis là, on va récupérer un full stack pour aller. Même si on va devoir supporter un peu d'attrition. Ça va être plus que limite en fait, ça va pas être possible. Mais bon, ça devrait être suffisant pour gagner la bataille quand même. On a perdu un CB contre Lübeck, ça m'a un peu égal. Tout dans cette direction, tout dans celle-là. Là, on finit ce combat. Ok, très bien. On va tout de suite faire le suivant. Là aussi, hein, les Russes vont perdre, mais on devrait arriver suffisamment vite pour pouvoir reprendre. Ming, non, on peut pas malheureusement, je suis surpris. Ok. On a perdu des hommes, c'est un peu embêtant, j'ai tellement d'argent. Ah. Ok. 0,19. Non, en fait, non. En fait, je sais. On va attendre de pouvoir adopter l'institution. Très bien. Ici, on va mettre un général de siège. Ici, on va mettre l'autre général de siège. Et puis ici, avec là, toi, tu vas prendre celui qui reste là. Tu vas aller là, comme ça, tu seras en soutien si jamais. Et ici, toi, tu seras en soutien aussi. Donc comme ça, on a... notre siège. D'abord, de toute façon, on va aller s'abattre. Les Ming ici. Ok, on a récupéré Goa. Très bien. Voilà. Goa est 5 coups qu'il faut ajouter à une compagnie. Stack wipe ça, c'est quoi? 2, 0, 10, ok, cool. Ok, bon, les rebelles, ça va pas faire très long. Ok.
Ok. Très bien, puis toi tu vas revenir au centre, comme ça tu t'occuperas des éventuels rebelles qui pourraient revenir ailleurs. Là pour le moment. Tu peux aller? Non, d'accord, tu peux. Pas le choix, il faut que j'y aille avec cela là. Non mais mercenaires ça va, merci. Et puis on va convertir ça. Et Multan, on pourra c'est quoi Multan, c'est ici. Ouais, on pourra en faire un état assez vite, mais pas de port forcément tout de suite. Alors ici j'avais pas vu, je me fais attaquer. Ok, ils vont arriver le 2 août, moi je vais arriver le 8 août, on va voir si avec ça ça va aller mieux. Je vais arriver le 3 août, comme ça j'aurai 4 jours de retard, très bien. Fin du siège. Ouh, c'est mauvais pour eux ça. Ouh, c'est très mauvais pour eux ça. Ouais, ça c'est vraiment de la chance. Je suis désolé la Ming. C'est moche, c'est moche. Qu'ils auraient eu un plus 2, ils auront un moins 2. Au dernier moment, ouais. Et puis ils sont deux fois moins. Ouh là 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 là, ça va être cher pour eux ça, je pense. Bien, ils ont un 6-1 quand même, qui a plus de dommages de feu. Hein. Donc ils ont un super général hein, pour cette période, à mon avis. Honnêtement. Mais ils ont quand même un moins 3 sur chaque geste, qui est quand même violent. Donc ça devrait leur faire plutôt mal. Ok. Et puis donc on va voir cette bataille. Voilà, donc on l'a gagné, mais on aurait pu mieux faire maintenant. Vu la chance qu'on a eue dedans. Ok, toi tu vas aller là. Tu vas rester là pour continuer de assiéger. Non, en fait ça sert à rien en fait. Tu vas aller là. Vous allez ici, et puis ben, on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.